Le jeu des chaises musicales a sonné à la télé. Les chaînes ne finissent plus d'annoncer l'arrivée et le départ de leurs animateurs, journalistes et chroniqueurs. Sur C8, Cyril Hanouna rempile pour une nouvelle saison à la rentrée prochaine avec son émission Touche pas à mon poste. Autour de la table, certains chroniqueurs de longue date ont annoncé leur départ. Si est-il le cas de Mathieu Delormeau? Après 7 années d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Je voulais vous remercier, vous les téléspectateurs, en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé. Merci à C8, aux équipes, à l'antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d'en avoir plusieurs, avait-il expliqué le 12 mai dernier. D'après les informations du magazine Public, Benjamin Castaldi aurait pris la décision de quitter TPMP pour se consacrer à une pièce de théâtre. Ce mercredi 21 juin, fête de la musique oblige, Cyril Hanouna a ouvert le 6 à 7 de Baba en chantant. Alors qu'il chantonnait le titre « Et si tu n'existais pas » de Joe Dassin, réclamé par Daniel Moreau, l'animateur vedette de C8 a annoncé le retour à la rentrée d'Isabelle Morini-Bosque. Isabelle revient l'année prochaine les chéris, a-t-il lancé avant d'adresser une boutade à Daniel Moreau, souvent désigné comme la remplaçante d'Isabelle Morini-Bosque. Les obsèques de Daniel auront lieu le 4 juillet dans l'intimité à la cathédrale de Djerba. Venez nombreux, c'est amusé Cyril Hanouna entraînant l'hilarité sur le plateau. En effet, cette année, Isabelle Morini-Bosque s'est montrée plus discrète sur le plateau de TPMP. Une année difficile pour l'une des plus anciennes chroniqueuses de TPMP, si Isabelle Morini-Bosque, l'une des plus anciennes chroniqueuses du talk show de C8, a peu été présente cette saison aux côtés de son acolyte Gilles Verdet, si est-il qu'elle a d'autres obligations à tenir. Elle traverse une période difficile aux côtés de son mari atteint d'une leucémie. Le 23 mai dernier, si est-il sur le plateau de chez Jordan que la journaliste de RTL s'était confiée à ce sujet. J'essaie de le vivre le plus courageusement possible avec lui. Je vais le voir à l'hôpital, avait-elle expliqué, émue, face à Jordan Deluxe.